Ça commence bien. Et bon, je vais pas y arriver. Et bon, comment tu veux commencer une vidéo comme ça? Et bonjour à tous, c'est Immortal71 Camille de Old School GamioDiverse.blogspot.fr et je suis avec mes compatriotes Dark Dems et Costemporary. Dites bonjour les amis. Pourquoi je prends une voix russe? Bonjour, c'est Jacques. Comment allez-vous? Non, là, t'as dit au revoir. On commence fort. Ouais, bah, reste avec nous, crève pas tout de suite. Hein. Alors, je crois que les zombies ont gagné cette fois. Bon, je pense que les gens ils ont deviné. On est toujours sur Zombie Army Trilogy, épisode 2, retour à Berlin. Et là, on va se taper Allez, le chapitre creuset magnifique. Qu'est-ce que t'as dit? Dépêche-toi, je veux me tailler un bout de gras là. Allez, et vive le gras du jambon. Ouais, enfin, zombie avarié, pas trop quoi. Ouais, bah, si tu pouvais te dépêcher et accepter la partie, ça serait cool. On en même temps, jouer, je vais te dire, là, franchement, j'ai déjà mangé de la tête de nègre, je trouve ça trop sucré, c'est pas. J'aime pas bien, moi, perso. Je trouve ça trop trop sucré. Ouais. Mais je crois que. Ouais, c'est pas faux. Ah bon? Hey, t'adores la crème, bah mon salaud. Hey, dis donc, t'en as caché des choses, dis donc. Tu crois? Me dis pas que faire dégouliner la crème, tu aimes pas ça, toi. Non mais bon, moi j'aime. Hein, je précise, la crème à gâteau. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien les religieuses. Eh ben mon con. Ah mais c'est qu'elles sont bien bonnes. Hein. De quoi les crèmes ou les religieuses? La crème dans les religieuses. D'accord. Bon, je crois que c'est le festival ouvert de la connerie aujourd'hui. Bah c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, faut y aller. On se détend, tranquille, on s'emmerde pas. Bon les gars. Eh, on avance ou on s'encule? Bah tu sais, j'ai un peu mal aux pieds. Et Marco, je sais pas ce que tu fous là. Mais... Ah oui, si, ça y est. Oh, bande de chenapons. Là, ils arrivent des trois côtés. Hein. Ils arrivent du milieu et sur les côtés. Mais le milieu, c'est là où il y en a le plus. Merde, ah bah si je... Ah bah... Alors moi je vise à côté puis lui il tape dedans. C'est tristouné, on n'aura pas entendu mes conneries du début. Tu sais que tu peux les ressortir tes conneries. Dès que tu le sens, y a pas de problème. Ouais, c'est surtout ça le problème, c'est de sentir. Non, il n'y a pas de. Pas de sous-entendu. Non, pas du tout. On s'acharne sur un seul et même mec, tu sais. Comme on dit, hein, pas de sachine. Oh, bah. Je le pousse en avant et tout de suite à pompe. Non, mais c'était pour être sûr, quoi. Ah, le petit, comme il est tombé. Comme il est tombé à côté de la barque. Je l'ai repoussé à la baille. Non mais le pire c'est que c'est trop marrant sa façon de tomber dans l'eau. Oh là là.
Je voulais voir en fait s'il savait nager, mais apparemment non. Non, non, je crois pas, parce que juste un coup de pied, tu t'en es débarrassé. Ah oui, bon, bah oui. Eh hey Marco, t'as pas une petite connerie à raconter, une petite blagounette la plage, hein. Deux tirs dans la gueule par Zombie Toon. Oh bah ouais, on tire tous les deux en même temps. Oh là là. Qui sont gentils les copains, ils me font des munitions. Ah, il y a des fois ils le sont. Hein. Des fois ils sont gentils. Ah bah ça va, ça m'a remis à fond le fusil. Petit SBT-40, ah, je l'aime bien finalement ce SBT-40, tu vois, je crois que je vais faire tout le jeu avec. Ça va. Ah regardez les gars, il y a des copains là. Bah ils vont se prendre une grenade donc c'est foutu maintenant. Voilà. Ah bah. Pourtant je te l'ai dit, voilà. Hein, je te dis ils vont se prendre une grenade. Oui, hein. Non mais oui, mais je l'ai même balancé. Remarque, ah, c'est pareil. Il y a hein. le Panzer Faust. Le Panzer Faust. Si jamais tu fasses un prêcheur, tu me le dis. Ah. Et je te le dis pas. Bah si tu me le dis pas, tant pis. Hein. Bah y'en a pas. Bah si jamais tu me le dis. Si jamais tu me le dis. Si jamais t'envoies que tu me le dépenses, c'est que tu es un gros fumier. Ouais. Tu dis ça comme si c'était une nouveauté, tu sais. Hey, les gars, il pleut du rouge, c'est normal? Ouais, c'est des gars, ils savent pas boire un litre de rouge sans s'en faire. Ouais, regarde, il est en train de tout cracher son litre de rouge, le gars. Toi, à parler de rouge, toi, tu me donnes une idée. Ah, t'as envie de picoler? Ah, bah, ça après. Hein. Ah, mais arrêtez! Ouais, je vais sortir le pompe, hein, parce que là. Ah, j'adore ce passage. Le passage est vraiment excellent. La cabane est ouverte, allez les gars, il faut se bouger. Plein de munitions. Munitions du pompe. J'ai pas trouvé de munitions de Panzer, je suis un peu dégoûté. Bah, tu remarqueras que dans chaque planque, hein, il y en a pas tout le temps. Ah bah oui. C'est même assez rare. Hein. Je vérifie un truc. Eh les gars, attendez, j'ai qu'une seule grenade. Il y en a pas d'autres là? Bah normalement si, dans le conteneur là en face. Le conteneur en face. Non. Au lieu de me faire un bras d'honneur, fumier. Vous disputez pas. Il y a tout ce qui est explosif. Non, il y en a pas. Vous disputez. Bah, moi j'ai une grenade. J'en ai qu'une. Faut pas se disputer comme ça, les potos. Mais ta gueule. Ouais, faut pas se disputer. Faut faire quoi alors? Bah, faut foncer. Bah, regarde. Message de paix. Ouais. Alex. Message de paix. D'amour et de sécurité. C'est glauque hein, dans le coin là. Mais qu'est-ce que je veux dire Non, ça me fait un peu chier là parce que j'ai pas de. Putain, j'ai fait combien de temps que t'as pas fait le ménage chez toi? Ah, c'est vrai, ouais, oh, ça c'est un peu allé là. Le ménage, ménage, c'est pour les termes. T'as vu l'autre qui a essayé de te toucher avec sa main?
Rentrez chez vous, les Thanos. Hein? T'as vu l'autre qui essaie de... Le mannequin qui essaie... Enfin, le mannequin. Ouais, bon, c'est plutôt quelqu'un qui a cramé, mais... Il y a des zombies partout. Quoi que... Où est-ce qu'il y a des grenades, chef? Je te le dirai pas. Ah bon? Oh, quel fumier. Je sais où, mais l'endroit va pas te plaire. Ah bon? C'est un peu ça. Attention derrière toi. Ah! Alors attends. Ah bah j'ai balancé une grenade aussi, ça en valait le coup. J'ai fait tout le ménage avec mon français. On prend Zerfust. Ah mais dégage toi. Putain, laissez-moi tirer les gars. Vive de la barbaque. C'est pareil, je sais même pas s'ils arrivent par là, c'est con. Tiens, ça va pas voler celle-là. Les squelettes, on va se détendre. Ouais, je reconnais que t'as raison, ouais, ouais. C'est vrai qu'il est pas mal ce passage. Allez, barrez-vous ta dose de mes deux. Non, mais le... Ah, bah d'accord, ils avaient fait le tour, c'est bon, ils sont morts. On peut passer. Ouais, pas par là en tout cas. Bienvenue dans ma ville. Non, on pouvait pas... Charmante et accueillante des lieux pédestres. Putain, ah, comment ils avaient dit pour Medal of Honor Resistance déjà? Comment ils avaient dit? Medal of Honor Resistance... Ah, ouais, merde, je sais plus comment ils avaient dit. Ah bah ça remonte à loin que j'ai pas joué à celui-là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Mais... Attends... Boum! Il est mort. Voilà. Ah bah j'ai au maximum. Tu m'as pris pour quoi? Pour un SDF? J'ai trouvé une mine antipersonnelle. Ah ça, je trouve que ça c'est... Parfois faut s'abuser le bug. Y'a un char qui s'est pété la gueule. Voilà, deux snipers de mort. Ah ouais, on est juste... côté. Voilà, 3. Putain, à moi ça quoi. Bande de radas quoi. Ah ça. Alors, oh, Marco, je te conseille pas d'aller je te conseille pas d'aller dans les trucs là. Hein. Tu vas le sentir passer. Hein. Dans surtout les trucs. Bah là, t'amuses pas à escalader, il y a marqué utiliser, t'amuses. Ouais, t'amuses pas à aller dedans parce que
Ah, c'est les braises. À part si tu veux te faire du sous. Oh, je vais te tester. Ah, pas la mort. Si on a un qui gueule, si on a un qui court, non? Qui est con celui-là, mais je te jure, c'est... Oh putain, j'ai quand même gagné une grenade. Ah bah dis donc, c'est que c'était... difficile. Mm-hmm. Je crois qu'on passe par là. Y a un avion qui s'est écrasé, il y a. Et les zombies qui en sortent. Allez, déblayer le secteur. Nouvel objectif, c'est parti. D'accord. Ah merde. Ah, effectivement, ouais. Laisse-les arriver alors. Ah bon. Oh c'est bon, je vois que t'as buté l'autre con. Non non, il est toujours là. Hein. Ah je croyais qu'il est. Ah ouais. Effectivement, oui, t'as raison. Ah il y a un sniper. Occupe-toi de l'autre. Ah merde. Voilà, petit souci, c'est que j'ai plus du tout si c'est bon. Et voilà. C'est toujours opposant de voir un zombie éclater en morceaux. Ah ouais, ça fait du bien pour le moral. C'est bon pour le moral. Pour le moral. Aïe aïe aïe. Non, on peut pas passer par là. Ah, c'est quoi pour le moral? Il tape sur des nazis, c'est numéro 1. Ouais. Il s'est fait éclater, c'est le numéro 2. Y'a les zombies au premier qui vont pas tarder à faire chier. Hein? Et ils ont fini par la tête explosée. Y'a un truc que j'ai pas capté, j'ai cru voir derrière toi un Elite, un MG42. Puis il a disparu. Un bug peut-être. Ça te fait être sûrement un bug de texture. Ah. Un bug de... Ouais. Un bug. Marco. Oui. On a ouvert la porte de la chambre. Comment c'est chambre en fait, forte. Tu te spider voilà. La mouille. S'il te plaît. Ah si on t'emmerde, faut le dire. Il y a un zombie avec nous, faites gaffe les gars. Toujours pas de munitions de roquettes, putain, c'est quoi son portail? Ah oui, je vois. Ah, puis alors là, je sais pas, mais c'est pareil, en grenade, ils sont un peu radins, les gars. Un truc qui tourne pas rond, là. Bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 2-3 grenades, mais il y en aura pas assez pour tous les 3, quoi. C'est ça. Alors, j'ai eu une grenade, une mine, 2 mines antipersonnelles, parce que j'en ai ramassé une sur. Sur un cadavre, et je crois que j'en avais une par défaut. J'en ai deux de chaque. Bon, bah, de toute façon, on va. Ça va être en cas de secours, la grenade, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Marco, dépêche-toi, la porte va se fermer sinon. Ah, ouais, tu m'étonnes.
Tu me diras, après, le point de contrôle était juste là, on aurait pu recharger, hein, mais après, c'était pas gênant, hein. Comme on avait fait pour moi, quoi. On rechargeait le point de contrôle. Il tape sur des fachos et c'est numéro 1. Ah bah alors là, mon gars, ouais. Oh, suivant. Il y a des corps qui explosent, c'est les numéros 2. Oh putain, mais sans déconner. Entends les gueuler, les syndicalistes. Y'a que eux pour gueuler comme des sourds. On veut du nana, on veut du nazi. Voilà ce qui grand, ce qui scande, c'est con. Non, toi t'es gentil, mais tu repars à la baille. Ouais, c'est ça, ouais, munitions au max, ouais. Prends-moi pour une bille. Au revoir. Oh, les skulls. T'as fait, Tony. Ouais. Ils veulent déboulonner la statue Bujo. Ils veulent tout péter, quoi. Ils sentent tout ce qu'ils font. Tout ce qui est français, ils veulent tout dégommer. Donc. Ah oui. Pas faux. Ils veulent que la France ne soit plus la France. C'est malheureux. Hein. Ouais. Bah. Ils viennent me le dire en face. Ils vont avoir du 12 plein le corps. Quoi. Ah. Pour moi, raconter les conneries. Quoi. Attends, les syndicalistes, ils sont en train de négocier là. On les entend gueuler comme des sourds. Laisse les gueuler. T'as encore ton Panzer Faust? Je l'ai encore, ouais. Je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas si j'ai si devant moi des munitions pour Panzer. Là, ah, y'a cool. J'ai 4 roquettes. Tu les as eues? Prête à l'ampoule. Ouais, prête à l'ampoule. Bien. Il y a quelque chose qui a pété. Ouais. Bon, va falloir s'occuper des cons, quoi. Bah, ouais, c'est les deux c'est djihadistes ça. Qui me sont arrivés dessus. Oh, salut-toi. Alors, Non, mais, hey. Ouais, alors lui, il a plus de tête, mais il me fonce dessus. Lui, il est drogué. Voilà. C'est très rare d'avoir un zombie qui ne veut pas bouger. C'est très très rare. Ouais, ça sent l'invocateur. C'est le deuxième que je tue. Donc déjà, ça c'est bien. Ouais, bah attends, tiens, je vais essayer de m'occuper du troisième. Boum. Voilà. Normalement ils sont tous morts mais il n'y a pas voilà. Eu... Bah j'en ai tué 3 donc je pense qu'on est bon là. La carrière a disjoncté. Je sais pas, la barrière est toujours là. Ouais, bah alors, non mais bah, je crois qu'il y en a. Il doit en rester... Ah bah voilà. C'est ça ouais, aussi. C'est ça. Tu nous manquais quelques trucs. Oh merde! Déconne toi! Attends. Ah mais si! Mais voilà! Ah bah du coup je l'ai raté. Comme ça au moins t'en auras eu un comme ça. Ah! Par contre, il y en avait deux derrière moi là. Au secours! Merci. Je les ai pas vus. Moi qui ouais, me disais, bah tiens.
Il n'y a pas de munitions. Je me disais, ça se passait trop bien. Ben, là, il y a un char qui est tout neuf et tu peux pas l'utiliser. Où ça? Là, il y a un char, il est même pas pété, il y a rien. Où tu vois un char? Oh, putain, mais t'es con, tu le fais exprès. Là. Ah, l'autre, il est devant un canon, tu sais. Bah, je suis devant un canon de 88 apparemment, donc. Et puis la moto là, hein, un petit sidecar là, tranquille, il y en a un qui se met à côté de moi là. Enfin, où je me mets en passager, peu importe, comme ça je peux. Bah, le chef il adore sauter en sidecar. Donc. Le chef. Bah oui, c'est pour montrer l'exemple. Bon, Alex. Ah le con. Tu parles d'un chef? Mon petit Alex. Ah ouais. Attends, le pire c'est qu'il a dit qu'il le referait et qu'il t'a sauté si car ou quoi. Allez, je suis d'accord, oui, il a plus toute sa tête le chef. On peut pas changer de mitraillette? Alors là on a des... Je sais pas en fait, mais je crois qu'ils ont pas tout mis là dans cette chambre forte là. Non, ben non, ils ont pas mis, ils ont juste mis des munitions. Ben honnêtement, bon, on a les munitions principales, quoi, mais je veux dire, bon, pas de grenades et tout, ça commence vraiment à me... T'en bats la choucoute, garni. Bah, dis donc, lui, il a pété, hein. Ok, on va pas y arriver comme ça. Oh putain, mais héros! Mon petit Alex. J'essaie de les démembrer un maximum. Ouais, d'y voir, mon petit Marco. Faut leur couper la tête, y'a. Il a pas une blague, Marco. Ça m'étonne. Ah, un joyist, ça y est, je sais plus comment on prononce ça. Une connerie, quoi, qui m'a. Un jaja. Oui, ah oui, un jaja. Il y avait un jaja, quoi. Voilà. Ouais, regarde sur ton côté droit aussi. Non, pas moi. Oh là là. Non mais s'il fait péter ses copains en même temps, on dira rien. Au contraire. Bon. C'est bon, la baston est finie. Ouais, donc vu que c'est calme, vu que maintenant c'est redevenu calme, mon petit ouais. Alex. Ah ah. Ouais. Pour toi, quelle est la voiture qui va le plus vite? Allez, ça y est. On est parti avec des blagues de merde. Vive les blagues de merde. Je sais pas. Parce que des voitures qui vont vite. T'en as un paquet, hein. Non, la femme, parce que bien rodée, elle fait du son. No comment. Ah bon? Ouais. Il est en panne... Il est en panne ton GPS, Alex? C'est possible, ouais, effectivement. Est-ce que je te vois faire des allers-retours? Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, je pensais à ta blague en plus, alors du coup. Ça m'aidait pas trop. Moi, je te suis, je sais pas où on va, mais on y va. Et Tony, ce qui est bien, c'est qu'il part au fin fond du niveau, mais il t'attend pas. Ah, oh, bah écoute, hein, tiens, c'est par là. Arrêtez de faire...
Arrêtez de faire vos pucelles et vous avez qu'à venir. Hein. Dis donc, non, fumier. Non, mais la pucelle, elle est morte à Orléans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'était pas mal ici, c'est vrai. Bon, faut vous attendre qu'il y ait un certain nombre qui se réveille. Bon, pour pas changer. Oui, avec le poteau MC42. Ah putain, ouais, allez, je pense. C'est pas ici, les gars. Il y en avait deux, je crois, non? Allez, ah, bah ben, tiens, ça commence à arriver. Par ici, les gars. Wow, voilà. C'était une méga rave party hein, ici. Ouais, tu m'étonnes. Assez chaud. Hein. Regarde, ils sont encore en train de bouger. T'es... Regarde ça. Ah ouais. Mais c'est fini, ouais. Non ah mais. Ouais, non mais faut se méfier, hein. Mais mets les têtes toutes seules, on sait jamais encore. Méfier de tout le monde. Eh ouais, mon gars. À un moment, on sait que c'est déjà des cons qui vont pas se réveiller, tu vois. Le téléphone, il faut interagir. Je te fais. Ouais. Allez, hop. Je sais pas où vous êtes. Bah, moi, je sais pas, j'ai. C'est quoi? Tu sais que t'as fait tomber le perso du jeu, hein? Tu sais que t'as foutu un coup de pied au cul à Karl, qu'il est dans le feu. C'est normal. T'as tué Karl, mec. Regarde, il a plein ventre. T'as tué Karl. T'as tué le chef. Oh putain, regarde! Encore un autre perso! C'est excellent, vous voyez, moi j'aime bien, il y a une bonne petite mise en scène. MG42 en approche! T'inquiète! Par contre, normalement, je crois qu'il y a un prêcheur dans le coin, mais Je sais pas! Ah, si tu te mets devant, ça va être facile aussi. Bah, c'est vous qui vous. Sors ton Panzerfaust! Qui est devant moi? Je sais pas. Ah, ça va servir à rien contre celui-là. Je vais bien me sortir, mais. Voilà, quand même. Il va falloir se débloquer, les gars! Dans le cul, le mec! C'est bon, il a pété? Mais de toute façon, je crois que. Je me demande s'il n'y a pas un autre soldat quand même. Non, non. Bienvenue dans le couloir des boyaux. Ah ouais. Tiens, il y a notre copain Karl qui est attaché là. Coucou, bonjour. Ouais, ouais. Tu vas bien? Ça fait quoi si on te tire une balle? Ah, une cinématique, d'accord. Et là, t'as réussi à enclencher. Ah bah, je crois que c'est la fin du premier niveau. Oh, du premier niveau, n'importe quoi. Fin du niveau. Oh, elle est quand même les têtes de poupée, c'est pas... Bon. On aura mis 32 minutes. Oh putain, je crois que c'est la plus courte des vidéos. Ouais, 32. Mange la merde et moi les œufs. Pa, 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 pa.
Eh ben. La blague à casse-nœud. Va falloir que j'aille voir mon médecin en urgence. Bonjour docteur, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh ben disons que je fais une allergie à la connerie. Pas mal. Bonne journée, hein, la purge. Ah ben moi. Pourquoi ça a quitté? Non mais c'est parce que j'arrête la vidéo là, puis après on va se faire voilà. Donc le prochain niveau sera gare. Donc je remercie Dark Dems et que c'est en plein riz pour cette vidéo. Merci les gars. De rien. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était Immortal 71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et je vous dis à bientôt pour le niveau gare. C'est Youssou, tout le monde, envie d'Arzen. Ouais, bonne nuit. On est en journée, hein. Ah bah y'a qui dort le jour et d'autres qui vivent la nuit, hein. C'est pas faux. Moi par exemple. Voilà. C'est pas faux. Voilà.